Ce point-là nous satisfait, mais après, vous savez, j'ai l'impression de vivre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Darius Rochda, c'est un jour sans fin, vous savez, vous avez le jour qui se reproduit éternellement, parce que finalement, résumons ce que vous nous annoncez, des macronistes remplacent des macronistes, des républicains remplacent des républicains. J'entendais tout à l'heure vos chroniqueurs dire « Ah, avec Retailleau, ce sera enfin une politique de droite ferme, etc. » C'est un jour sans fin, parce que les Français se souviennent qu'on nous a déjà sorti la même soupe avec Darmanin. Ce sera un collaborateur de Sarkozy, ça va être ferme, etc. Et rien n'a changé. Et donc, en réalité, j'ai du mal à commenter ça, parce que bien sûr, on est tous, vous et nous, dans l'événement, on ne sait pas toutes les infos, mais j'ai vraiment l'impression de revivre le gouvernement d'avant et presque de découvrir ce que fut la 4e République, puisque les partis discutent entre eux, on voit que le président n'a pas toutes les cartes en main, le Premier ministre non plus, et j'ai l'impression que c'est une sorte de tambouille où les mêmes se partagent les